Attends, je peux pas freiner. Oh yeah, try to push. You understood, sushi biker? I was here, yeah, we are vlogging with one hand wolf. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Ça passe, ça passe. C'est bon les gars. Ça passe, c'est bon, c'est bon. Non, c'est compliqué, c'est très très compliqué là. C'est bon. I got the... I got the good feeling. And yeah, I'm in the first position. I have the pole position between within the Eh ouais les frérots, Carbone 23 is on Lyon Town. Attention ça ralentit pour les petits radars, ça fait plaisir, c'est cadeau. Regardez-moi ça, les deux beaux gosses là, tous les deux le même blouson, l'édition limitée Dark Knight de DNS pour Speedway. Seulement 300 exemplaires au monde, messieurs dames, vous en avez deux devant vous, c'est incroyable, c'est exceptionnel. On est en route pour aller au DNS Store de Lyon, puisqu'il y a nos deux motos pour demain qui nous attendent, c'est-à-dire la Prilia Tourno V4 et pour ma part la Dorso Duro 900 bridée à deux. Évidemment du coup on remercie le DNS Store de Lyon pour l'accueil et Aprilia Moto Lyon pour le prêt de ces deux motos de folie. La rencontre abonnée c'est demain, donc c'est-à-dire dimanche. Donc voilà, on va aller choper les bécanes pour 2-3 heures histoire de faire un petit tour, 2-3 photos, ça va être sympa. En plus là les frérots, on est vraiment le starter pack du youtubeur 2019, c'est-à-dire MT-07 Denez, la petite GoPro qui fait plaisir sur le casque. Vous voyez ce mec? Il s'appelle Bob. Bob chill tranquille avec son petit cocktail Mojito fraise allégé en sucre de canne bio du Mozambique, quand soudain il se dit: je veux faire le buzz. Il achète donc une MT-07 bridée, se prend un beau cuir Denez et prend par la même occasion un pistage GPR aussi. Mais comme Bob veut faire le buzz, il doit filmer ses rodrages et courses poursuites avec la police. Il investit donc tout naturellement dans une GoPro super chère qui va fonctionner une fois sur deux parce que c'est GoPro et qui te pisse dessus avec leur caméra à 500 balles qui se coupe en plein milieu d'une sortie moto. Et voilà, Bob est un youtubeur moto et va maintenant créer une boutique pour se faire un max de thunes alors qu'il n'a que 12 abonnés. Salut, un très grand V. Ah c'est gênant, ils vont s'arrêter à côté de nous. Enfin gros c'était gênant, elle nous regardait, je leur ai fait un V en me disant on va partir. Mais on n'est pas... Du coup elle me regardait grave chelou. Ouais, copain MT-07, peau d'origine, miskin. Je vais doubler comme un chacal. On va faire ça. Yes, il a chopé. Ah, c'est bon. Oui. Oui. On fait pas du recyclage, nous. Ceci est notre trophée, messieurs dames. Ouais, c'était chaud. Ouais, de ouf gros, il est passé super près. Ouais, alors attention, je descends. Ok. Step 2 of the mission. Yes, we recycling, yes. Oh là là, les motos, le cœur, c'est pas quel bâtard. Non. Attends. Ah le bâtard, Je sais pas pourquoi gros, mais j'en étais sûr. C'était chaud pour barrer, dommage je le fais. Oh là là, mais quel service royal. On s'arrête juste devant le magasin, c'est beau. C'est bon? Oh non, c'est pas bon. Vas-y. Oh là là, ça c'est le bébé pour le poteau sushi. Et ça c'est la mienne. Avec un beau kit déco. Ma, comment elle est magnifique. Oh ouais, regardez-moi ça les frérots. Un délire avec double ligne à roue. Cet arrière affûté là. Je kiffe. Ouais, du coup, pour le parti écologiste, votez Sushi et Carbone 23. Voilà. Yes, we recycling. Bon, allez, frérot, c'est parti ou quoi? On est là, hein? On a les clés du bonheur. Alors, je sais pas où ça se met là. Comme ceci. Attends. Ok. Ouh, joli. Très, très joli. Très joli. Oh, je kiffe. Oh oui, mais gros, le tableau. Oh, gros, c'est magnifique. Attends, par où ça s'allume? Là? Alors, ça c'est le coupe-circuit. Pas du tout, d'accord. Là, t'as un coupe-circuit. Ok. Ah, que c'est. Oh oui. Ouh. Ouh. Très très joli. Très mignon. Ah ouais. Oh oui. Oh oui. Mais je kiffe. Mais je kiffe à 100%. Mais je kiffe à 200% même. Bon, faut que je prenne un peu mes marques parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de moto. Alors? Ah gros, je kiffe. Regarde ça. Ouah, c'est un délire. Ah, je kiffe. Je surkiffe. Alors je suis vraiment désolé mais je connais rien de technique sur cette moto. Mais c'est juste un plaisir. Là on a fait que du tout droit. Attention au freinage. Ah oui mais oh mais le freinage ça a rien à voir. C'est quoi le traction control? Traction control, ça te permet d'éviter que la roue arrière elle patine et que tu glisses. Mais c'est quoi le...
Ça c'est l'anti-wheeling. Oh là là, mais deux beaux gosses en Denez avec deux Aprilia, un tonneau V4, un dorsaux Douro 900. Mais c'est un délire mon pote. On est max comme jamais. Hop, petit grattage de coucougnette, ça fait plaisir. Allez hop, je m'y mets aussi, hein, c'est cadeau. Tout le monde est là, on peut nous regarder, c'est pas grave, c'est pas important. Oh oui, mais le freinage mon pote, mais ça n'a rien à voir. Et attends, je passe au-dessus des rétros à peu près. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. L'accélération elle est moins franche qu'une MT, mais en fait tu prends tout autant de plaisir parce que juste elle est jouissive. T'as pas besoin d'aller vite en fait avec cette moto pour avoir du plaisir. Alors le freinage mec, c'est ouf. Chape ça. Oh c'est super joli. Ah là ça va faire des belles photos hein. Ah le petit dorsaux Douro 900 après avant que ça se coupe, trop beau. Kiffant. Ouais. Par contre l'accélération, tu sens vraiment qu'il n'y a plus rien après 5000 quoi. Franchement elle est cool. Après ouais tu sens qu'il y a un truc en moins que la MT, ça c'est sûr. En termes de moteur hein. Ouais, par exemple freinage et tout. Oh hein. Freinage gros c'est un délire. Putain elle est où la béquille sa mère? Ah ouais elle est super haute. Ah what? gros c'est une béquille comme sur les crosses. On va quand même ramasser la trottinette hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas très civilisés dans leur vie. Bon elle va sûrement sonner mais... Bah je la bouge gros, elle était par terre. Bon donc du coup on s'était arrêté ici pour faire quelques photos. On n'est pas tout à fait satisfait. Donc Sushi m'a dit qu'on allait aller dans un autre petit endroit qui est fort sympathique et qui est à l'abri. Par contre Aprilia va falloir faire un truc pour cette béquille là. Parce que nous faire une béquille de cross mon pote. Ouah c'est compliqué hein. Attention l'épreuve, le tonneau V4 versus la bordure. Sushi Biker aux commandes, c'est une validation. Bon, moi je vais la tenter en deux étapes hein. Je suis un peu une pédale mais bon je t'avoue qu'avec la moto c'est pas la mienne. Donc on y fait quand même très attention. Attention. Ouais. Oui, ça passe largement. Ah ouais, c'est joli comme ça. Oh là 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 là. Franchement, incroyable. Ouais, ben voilà, du coup, petite séance photo terminée. On s'en est bien sorti, on a fait de très jolies photos. Donc je vous invite à aller voir ça sur l'Instagram Carbone23 YouTube ou Sushi Biker. Parce que je pense qu'il postera aussi des photos, j'en sais rien en fait. Bref, allez voir les deux, c'est toujours cool. Et si on a pu faire de si belles photos avec de si belles machines, c'est grâce à Aprilia Moto Lyon. Donc allez les follow aussi sur Instagram. Pareil, Denestor Lyon, les frérots, on y va, let's go. C'est grâce à des beaux gosses comme ça qu'on arrive à kiffer de plus en plus pour notre passion de la moto. Pour moi en plus, c'est vraiment le week-end d'Aprilia. Parce que là, du coup, je vais passer deux jours avec ce dorsaux d'Oro. Donc aujourd'hui, samedi et demain pour la balade. Le dimanche et lundi, donc c'est à dire dans deux jours, je vais sur le Paul Ricard, le circuit du Castellet, et là ça va rouler en Aprilia RSV4, mon pote. Une bombe atomique, un missile sol. Regarde ça comme il s'est mis en arrière, comme une tepu, comme les meufs sur Instagram. Oh là là, ce body! Ah, moi je kiffe. Ah, oui, je dis oui. Vas-y, en trois manches. Ah, je t'ai mangé. Non, j'ai fait la pierre, t'as fait le fuck. Vas-y, c'est bon, vas-y. Elle m'a saoulé là. Tout ça fait des dents pour 2019. Ah, on est en 2019. Mais si, pourquoi la FPS sort en 2031? Comment manger un tonneau V4 au démarrage? On est pas à 35 km nous. Parce qu'on est même pas l'heure, on est en avance. Il y a une couille dans le pâté. Il y a Anguille sous roche. Il y a de la smoule dans le pâté. Il y a une couille dans le pâté, comme on dit. Voilà. Il y a une merguez, hein, il faut pas quoi. Il y a un top case sur une R1 quoi. Waouh, beau gosse. Pas mal. Tu vas voir 4-5. Après ça, t'as plus rien. Tout est vraiment en bas. Il y a ce bâtard. Il y a moi ce bâtard. La télé, il m'a fait pareil. C'est pour quel bâtard. Vas-y, trouver un deuxième chauffeur. Nickel. Hop là, regarde ça. Moi j'ai un chauffeur qui m'a. Oh le bâtard. Vas-y, merci beaucoup. Allez, vas-y, ma biche. J'aime pas le vide. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien, t'as raison, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, hein. C'est qui? C'est Guillaume. Ah, coucou. Tu veux une photo? Accroche-toi, on va lever. Ok. Ah, je rigole. Le genou. Ouais, c'est bon. Bon allez frérot, fin de cette première journée, fin du samedi. J'ai bien kiffé prendre en main la dorsaux Douro 900, c'était vraiment cool, on a pu faire des jolies photos. Là, on est tranquillement sur le retour de la maison. On va aller terminer nos vidéos et se reposer parce que demain, le réveil va sonner un petit poteau. Les gens qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. On va laisser passer dans le dos le centre, nous casse. Allez, second poteau, Pavard. Very good, very good, present with the balls.
like a little bit more bigger than my than mine, but very good. Beaucoup de temps. Ah, mais on ne peut pas coordonner autant.